Hello everyone. Donc, bonjour à tous. Thank you so much for having me. I won't introduce myself. Alors, merci de m'accueillir parmi vous. Je vais me présenter. As she has already introduced me. Je me présenterai pas vu qu'elle m'a déjà présenté un petit peu. So, like you heard, today we want to be talking about patriarchy. Aujourd'hui, comme vous l'avez également entendu. Excuse me, Justina, is it possible to give us some information about Zimbabwe and just what you are doing? I think that you are a Bible worker. Just give us some information because we have no contact with your region. All right. Donc, Justina, est-ce que tu pourrais nous donner quelques petites infos malgré tout parce qu'on ne connaît pas trop sur le ministère au Zimbabwe? Je crois que tu es également ouvrière. Public, donc un petit peu d'informations sur toi. All right, so my name is Justina. Donc mon nom est Justina. I'm a Bible worker in our ministry, Alpha and Omega Ministries in Zimbabwe. Donc je suis Bible worker, ouvrière biblique dans le ministère donc Alpha et Omega au Zimbabwe. So here in Zimbabwe, we have two main fellowships and the rest of the people are scattered around the country. Donc ici, nous avons deux communautés, deux églises pour ainsi dire principales, même si les membres sont un peu répartis partout dans le pays. And yeah, it's a beautiful tropical country. It's very hot at this time with climate change. It's very hot. It hasn't rained in a long time. Donc, c'est une région, un pays tropical très beau. Il y fait très chaud en ce moment, notamment dû au changement climatique. Il n'a pas plu depuis très longtemps. But we thank God because recently, just this week, it has started to rain. Mais nous remercions Dieu parce que récemment, donc tout juste cette semaine, il a commencé à pleuvoir. So that's it about me, where I come from. Our ministry. Donc voilà un petit peu sur So I hope that's enough information at least to just know a bit about Zimbabwe. Donc j'espère que c'est assez d'informations pour par rapport à Zimbabwe et d'où je viens. Okay. So we're going to start our discussion today. Donc nous allons commencer notre discussion aujourd'hui. So we're going to be talking about patriarchy. Nous allons donc parler du patriarcat. It's a topic that I'm sure most of us are a bit, at least we've heard the word or we are familiar with. Je suis sûre que c'est un sujet. J'ai un mot que nous connaissons tous et que nous sommes familiers, avec lequel nous sommes familiers. I decided to talk about patriarchy because at some point when we're studying with the Mean I Cry. J'ai décidé de parler du patriarcat parce qu'à un moment, lorsqu'on parlait du cri de minuit, we traced some movements that began prior to our reform line. Nous avons retracé des mouvements qui ont commencé avant le début de notre ligne de réforme. Patriarchy can be traced all the way back from when sin came in. Le patriarcat, lui, peut être retracé jusqu'au moment où le péché a commencé. But today we want to trace it from just prior to our reform line into our reform line. Mais aujourd'hui, on veut retracer son parcours un peu avant le début de notre ligne de réforme et ensuite dans notre ligne de réforme.
So we usually trace three movements that began in the 1960s. Nous retraçons généralement trois mouvements qui ont commencé dans les années 60. We trace the civil rights movement. Nous retraçons le mouvement des droits civiques, The Stonewall movement. le mouvement avec Stonewall And second wave feminism. et la deuxième vague du féminisme. And through these mo three movements, we've come to an understanding of basically the message of radical feminism in our time. Et à travers ces trois mouvements, nous avons en fait compris le message du féminisme radical à notre époque. How the events were playing out in the external world and what the issues were. Comment les événements se sont mis en place du côté externe et quels étaient les problèmes? Especially with the movement of the radical feminism. Particulièrement avec le mouvement du féminisme radical. It helped us to understand what it is that we need to become as radical feminists. Cela nous aide à comprendre ce que nous devons devenir en tant que féministes radicaux. But today I want us to look at patriarchy. Aujourd'hui, je voudrais donc regarder le patriarcat. Because at the same time, whilst second wave feminism and these other movements were advancing, Parce qu'au même moment où ces différents mouvements et le féminisme radical avançaient, there is also different movements of patriarchs that were also advancing. il y avait d'autres mouvements également, à part le patriarcat, qui avançaient. So we're going to start by defining the word patriarchy itself. Nous allons donc commencer par définir le mot patriarcat en soi. Normally, when I do studies, when we study here in Zimbabwe, we normally interact. Généralement, lorsqu'on fait des études au Zimbabwe, d'habitude, on interagit beaucoup. So I feel like it helps us to understand from different angles, from different understandings. Cela nous permet de comprendre et d'avoir différentes perspectives, différentes compréhensions. I like to ask questions a lot. J'aime beaucoup poser des questions. But today I think I'm just going to go by what I have and then we'll see at the end if we're going to have questions. Mais aujourd'hui, si je comprends bien, je vais faire avec ce que j'ai et on verra si on aura des questions à la fin. So patriarchy, when it's defined, I'll just read the short definition that I have. Donc, je vais lire la petite définition du patriarcat que. So it says it comes from a Greek word which means the rule of the father. Donc, il est dit que ça vient d'un terme, d'un mot grec qui veut dire donc la direction du père. But it can be understood in broader terms than just the rule of the father. Mais ça peut être compris dans des termes beaucoup plus larges que juste c'est la direction du père. When you look up other definitions, Lorsqu'on regarde d'autres définitions, it will tell you that patriarchy is a social system elles vous diront que le patriarcat est un système social in which males are primarily authority figures. dans lequel les pères sont généralement des figures d'autorité. In a patriarchal society, Dans une société patriarcale, both leadership and moral authority la direction d'autorité morale, leadership, moral authority, and control of property, et le contrôle de la propriété they are all done with a male figure in on top. sont vraiment dit sont pris, sont mises en place par des autorités masculines qui sont en haut de l'échelle. You can also view it in terms of a government.
On peut également voir ça dans les termes d'un gouvernement. It also says a patriarchy can is a system in which a society is at the government is sorry, let me take it again. It's a system of society where the government on top of the government, there are men who hold power. Donc, en gros, une autre définition, c'est une règle de société où le gouvernement ou à la tête du gouvernement, ce sont des hommes qui dirigent. Women and other men are largely excluded from it. Certains hommes peuvent également en être exclus. I'll read the last definition that I have. Et je vais lire la dernière définition que j'ai. Les femmes, pardon, sont aussi exclues. It basically says it's a society where dominance and privilege are primarily held by men, where males have most privileges. Ou, eh bien, c'est un endroit où les hommes ont le plus de privilèges et ce sont eux qui ont un peu tous les droits. So basically, in a patriarchy, men are above women, children, and other weaker males in the society. Donc en gros, dans ce patriarcat, les hommes sont au-dessus des femmes, des enfants et des hommes plus faibles de la société. Hence, that's why we have this gender inequality that is then produced. C'est pour ça que nous avons cette inégalité de genre qui est ensuite produite. Those that uphold patriarchy, Ceux qui soutiennent le patriarcat, they justify it with basically three main reasons. ils le justifient avec trois raisons principales généralement. The first reason is that they say it's inherent. There are natural differences between males and females. Première raison, c'est qu'ils disent que c'est inhérent, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Others, they say it's a divine commandment. D'autres disent que c'est d'après un commandement divin. While others say, because of precedence, there's fixed structures that require the society to be run through a patriarchal system. Et d'autres disent que comme ça a été fait dans le passé, eh bien, il faut un modèle qui soit également cette fois-ci construit, dirigé par des hommes. Okay. So now that we've defined patriarchy, Donc, après avoir défini le patriarcat, we want to see how patriarchy has been woven into our society. nous voulons voir comment le patriarcat a été imbriqué dans notre société. So we started off by saying in the 1960s, we had three movements that we listed before. Nous avons commencé en disant quand Dans les années 60, trois mouvements étaient présents et on les a listés au début. The purpose of these movements was to advance civil rights, human rights, women rights, and gay rights. Le but de ces mouvements était d'avancer les droits humains, donc les droits civiques, les droits des femmes et les droits des homosexuels. There are studies that show that, for example, second wave feminism had victories in those areas. Il y a donc des études qui montrent, par exemple, que... Sorry, you said, can you repeat? There are studies that show that, for example, second wave feminism had victories in advancing women's rights. Donc, par exemple, il y a des études qui montrent que la deuxième vague du féminisme a été importante dans ces mouvements pour amener ces droits. So we see an attempt to weave in equality in society. Donc nous voyons une envie de tisser l'égalité dans la société à ce moment-là à travers ces mouvements. However, whilst those efforts were being made, Mais alors que ces efforts étaient faits, there are some patriarchal movements
that also we're making efforts to block or to block these movements. Mais en même temps, donc, qui sont en cours, eh bien, il y a d'autres mouvements qui essaient de les bloquer. And that's what we want to look at today. These movements that have been working hard to block the radical feminism that we know today. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui, ces mouvements qui ont tenté de bloquer le féminisme radical que nous connaissons aujourd'hui. One of it we know we've studied it in a great detail before. Donc on en a déjà étudié un de manière assez détaillée auparavant. It's the moral majority movement. C'est le mouvement de la majorité morale. It's a movement that that was started by a man called Donc c'est un mouvement qui a été débuté par un homme qui s'appelle His name just skipped my mind, sorry. Jerry Falwell. Jerry Falwell, thank you so much. Donc par Jerry Falwell. So Jerry Falwell, because he saw these social changes in society. Jerry Falwell, parce qu'il a vu ces changements qui se passaient dans la société. His reaction was to begin a moral majority movement. A réagi en créant un mouvement de majorité morale. Which was going to stop the hard work of radical feminism. Qui allait arrêter le travail, le grand travail du féminisme radical. He saw that the core principles of what he believed in as a Christian. Donc il a vu donc ce qu'il croyait en tant que chrétien. Were challenged by these movements that had begun in society. Et toutes ces croyances étaient mises au défi par ce mouvement qui arrivait dans la société. And so that's one example of a movement that has been studied in great detail in the movement. Donc c'est un exemple d'un mouvement qui a été beaucoup étudié dans notre mouvement. So today we want to trace another move. We can call it a movement. We want to trace another movement. Aujourd'hui, donc, on va retracer un autre mouvement. We're going to look at the. On va le marquer. We're going to look at the judicial department of the courts in America. On va regarder donc aux cours judiciaires des gouvernements aux États-Unis. Sometimes when we look at the articles that we see every day in the news and we read about different decisions that have been made in society. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les différents articles qui sont publiés ou les différentes informations par rapport à la société, it's usually easy to compartmentalize and to just think of them as another thing that we study. Il est facile de compartimentaliser un peu tout et voir que c'est juste une autre chose qu'on étudie, un autre sujet. But today I want us to see them as movements that are weaving back patriarchy into society. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse les considérer comme des mouvements qui essaient de ramener tous le patriarcat dans la société. So, we are going to look at the Supreme Court in America. Donc, on va regarder la Cour suprême des États-Unis. And we're going to trace a principle that we have seen being used more often in our history. Et donc, on va revoir un principe, un élément qui est utilisé beaucoup plus dans notre histoire. A principle called originalism. Le principe que nous pouvons appeler l'originalisme. So, originalism is the principle that is used by a group of patriarchs who seek to return America to the old patriarchy that it was.
Donc, l'originalisme, c'est un principe par lequel des personnes qui sont donc dans ce patriarcat veulent ramener l'Amérique à l'état où il était, où elle était il y a très longtemps, au tout début. That is how I define it, at least. C'est comme ça quand, tout du moins, je le définis. But when you look at the definition in the books and articles, Mais lorsqu'on regarde la définition donnée dans des livres ou des articles, it says originalism is the belief that the meaning of the Constitution was fixed at the time it was adopted. nous dit que, eh bien, la définition de l'originalisme, c'est que la Constitution et sa signification étaient fixées et définies au moment où la Constitution a été. This is a legal theory that dominates the thinking of the conservatives in the Supreme Court today. C'est une donc, théorie légale qui domine aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup de personnes à la Cour suprême. When you look at different writers, they tell you that originalism, in at least in our time, it did not begin so long ago. Donc certains vont vous dire, certains de la droite vont vous dire que l'originalisme n'a pas commencé il y a si longtemps que ça. They dated back to they developed the story from the 1950s and 60s. Ils disent que ce point ça a été développé dans les années 50-60 à peu près. In the 1950s, there was a legal revolution in America. Dans les années 1950, il y a eu la révolution légale aux États-Unis. A legal revolution in the sense that certain rights were realized. Donc, une révolution légale, c'est-à-dire que certains droits ont été révoqués. There were rights such as civil liberties that we mentioned with the civil rights movement. Par exemple, eh bien, comme les droits civiques dont nous avons parlé, les libertés civiques. There were voting rights that the women won in that history. Il y avait également le droit de vote que les femmes ont acquis dans cette histoire. There was also the right of criminal defendants. Il y a également eu le droit des défendants criminaux. So, as these patriarchs were watching, Donc alors que nous regardons tout cela, It wasn't going down well with them. Ils n'étaient pas très contents de toutes ces décisions prises. So we are marking a legal revolution between 1950s and 60s. Donc nous notons une révolution légale dans les années 50 à 60. By the time you get to 1965, Et lorsqu'on arrive en 1965, we have a very powerful Supreme Court case. nous avons donc un cas qui a été présenté donc à la Cour suprême, un cas très très important. The court case that I'm sure most of us are familiar with. Et je suis sûre que vous êtes plutôt familier avec cette affaire. Griswold versus Connecticut. Donc, cette histoire donc qui est Griswold versus Connecticut. By the time Griswold. we move, by the time we move to the 1970s, Lorsqu'on avance maintenant dans les années 70, the court, was under someone by the name Warren. So it was named the Warren Court. He was the Chief Justice. La Cour suprême a été dirigée par quelqu'un qui s'appelait Warren, donc ça s'appelait cette cour s'appelait donc la Cour Warren. So Justice Warren was a liberal judge. Le juge Warren, donc c'était un juge.
And all these conservatives are watching, and it's not going down well with them. Et tous ces conservateurs regardent un petit peu ce qui se passe et ne sont pas très contents. So in the 1970s, that's when we see originalism beginning as a fringe theory. Donc lorsque nous, dans les années 1870 ainsi, c'est là qu'on voit vraiment l'idée de l'originalisme qui est présentée comme une théorie vraiment marginalisée. You have people such as Bork and Scalia, Robert Bork. Vous avez des personnes telles que Robert Bork et Scalia. Okay, Robert Bork and Antonin Scalia. Donc Robert Bork et Antonin Scalia. As they were observing these developments, alors qu'ils observaient donc ces développements, they felt threatened. Ils se sont sentis menacés. They began to see issues like Griswold versus Connecticut as new rights that were just being given to people. Ils voyaient les différentes affaires et les différents sujets présentés, comme par exemple Griswold versus Connecticut, comme étant tout simplement de nouveaux droits qui sont donnés aux gens. And their reason was they are just being given these rights because there is a majority that's the liberals are the majority. Et ils disaient ces droits leur sont accordés uniquement parce que la majorité est libérale. And when they thought about it, that just because people are in the majority. Et ils se sont dit, mais parce que c'est pas parce que il y a un groupe qui est en majorité. It doesn't mean that they are correct in their judgment. Ils ont droit dans leur jugement qu'ils sont corrects. So in 1971. Donc en 1971, Bork wrote a journal. Bork a écrit un journal. This journal, it was called the Indiana Law Journal. Il s'appelait le journal de Indiana Law Journal. He also writes certain articles. Il a écrit différents articles. That will later on become famous. Qui allait plus tard devenir très très célèbre. So this is 1971. Donc là nous sommes en 1971. So and then we move on in 1987. Et ensuite on avance en 1987. Bork is elected to be a judge in the Supreme Court of America. Bork est présenté pour être juge à la Cour suprême des États-Unis. And he fails to qualify for the Supreme Court. Mais finalement, il ne se qualifie pas pour cette position à la Cour suprême. The motivation, part of the motivation of him wanting to join the Supreme Court. Une des raisons qui le motivait à rejoindre la Cour suprême. It was because of this court case, Griswold versus Connecticut. C'était vraiment à cause de cette affaire judiciaire d'ici Griswold versus Connecticut. It had to do with the rights, more rights for the reproduction for women. C'était lieu dont donc cette affaire portait donc sur le droit de reproduction des femmes. So when Bork fails to qualify for the Supreme Court, donc lorsque Bork ne se qualifie pas à la position de juge de la Cour suprême, the article that was written back here becomes famous. L'article qu'il a écrit là devient par la suite célèbre. Because a lot of the conservative side felt like Bork was treated unfairly. Parce que beaucoup de personnes du côté des conservateurs pensaient que Bork avait été traité de manière injuste. In the way that he lost, in the way that he didn't manage to join the Supreme Court.
puisqu'il n'avait pas réussi à rejoindre donc la Cour suprême. So Bork fails to join, but in the same year, Antonin Scalia is the one that becomes judge. Donc, Bork donc, ne prend pas cette position, mais Antonin Scalia prend lui ce poste. So this is 1987. Donc en 1900, ça se passe donc en 1987. Scalia joins the Supreme Court. Scalia rejoint donc la Cour suprême. So I want to take us back to the definition that we read. Je voudrais donc nous ramener à la définition que nous avons lue plus tôt. I'll keep on reminding us of this definition. Je vais continuer à nous rappeler cette définition. Remember, we said a patriarchy is a system or where society or government. Souvenez-vous, j'ai dit que donc le patriarcat, c'était un système où la société ou le gouvernement, In which men hold power. dans lesquels c'est une société ou un gouvernement où les hommes ont de la puissance, And women and children are largely excluded from it. et les femmes et les enfants sont très largement exclus. It is marked by supremacy of the father. C'est marqué par la suprématie du père. It can be a clan or a family. Ça peut être un clan, dans un clan ou dans une famille. Can be a whole city or the whole country. Ça peut être pour une ville ou un pays entier. You have men or strong men on top of society. Nous avons donc des hommes forts qui dirigent la société. So these men, they see women rights are taking foot. Donc les hommes là voient que les droits des femmes prennent de la force. And they see the threat that these women can now vote. Ils voient donc que ces femmes peuvent maintenant voter. They are now being given rights. Elles ne reçoivent pas de droits. Elles reçoivent maintenant des And droits. this shakes the patriarchal system to the core. Et ça renverse le système patriarcal à son plus profond. So they begin an effort to reorder society in a way where men are on top of the society. Donc, ils essaient de reformer la société à nouveau pour que les hommes soient bien en haut de la société. We are tracing it through the story of originalism and how it came to be. Il le retrace à travers cette idée d'originalisme et où ils étaient, où ils se trouvaient. Is the reaction to the social changes that were happening in America. En réaction aux changements sociaux qui se passent aux États-Unis. So they begin this originalism as a way to maintain a patriarchal society. Et donc, ils ont commencé ce principe d'originalisme pour maintenir le patriarcat dans la société. So 1987, Antonin Scalia joins the Supreme Court. Donc, en 87, Antonin Scalia rejoint donc la Cour suprême. Time goes by. Donc le temps avance. We're going to skip a bit of information though. On va passer un peu certaines infos. By the time we reach 1991, Lorsqu'on arrive en 1991, we get Clarence Thomas. Clarence Thomas joins the Supreme Court. donc Thomas rejoint la Cour suprême. Mmh.
So we have Clarence Thomas. Donc Clarence Thomas. And we have Scalia. Escalia. And both of them, they call themselves originalists. Et tous les deux s'appellent, disent s'appeler des originalistes. So for a while, there were these two main males in the Supreme Court. Pendant longtemps, donc, il y avait ces deux hommes principaux à la Cour suprême. Who were trying to, by all means to use these principles of originalism. Qui essayaient donc autant que possible d'utiliser ce principe d'originalisme. To reintroduce patriarchy in the areas where feminism was gaining victory. Pour donc réintroduire donc ce principe d'originalisme alors que le féminisme essayait de gagner donc de la place. But it was only two originalists out of the nine judges in the Supreme Court. Donc, mais sur les 9 juges de la Cour suprême, on n'avait que ces deux qui étaient originalistes. So it wasn't a big enough number. Donc, ils n'étaient pas assez nombreux. By the time we come to 2016, Lorsqu'on arrive à 2016, we see major changes in the Supreme Court. là, cette fois-ci, on voit des changements, d'assez grands changements dans la Cour suprême. Remember in 1991, it was two originalists. Souvenez-vous, en 91, il n'y avait que deux originalistes. Now we have six conservative judges who are also originalists. Maintenant, nous avons six juges conservateurs qui sont également originalistes. And in the Supreme Court in America, in order to get a majority ruling. Donc, aux États-Unis, afin que la Cour suprême, dans la Cour suprême, pour avoir donc un vote majoritaire, At least there should be five votes. il doit y avoir au moins 5 votes. So we can already see that the six judges were conservative and originalist. Donc, on peut voir que là, les 6 juges qui sont conservateurs et originalistes. Whenever they are faced with court cases that need them to use originalism. Lorsqu'ils font face à des affaires donc, où ils doivent utiliser l'originalisme. They will obviously win because they are the majority. Ils vont bien sûr remporter de leur côté cette affaire parce qu'ils sont dans la majorité. So, originalism, we saw that it began because it was a reaction to the Gris especially to the Griswold versus Connecticut case. Donc, l'originalisme, nous l'avons vu, a débuté principalement à cause du résultat de cette affaire ici. But there was another major case in 1973. Mais il y a eu une autre affaire, une grande affaire en 1973, Which is the Roe versus Wade. qui est donc l'affaire de Roe versus Wade. It was a major victory in the reproductive rights for women. Donc cette fois-ci, c'était une victoire majeure pour les droits de reproduction, sur les droits de reproduction. It was a major victory for the feminists, radical feminism. Et pour les féministes radicales. But it shook to the core this patriarchal movement. Et donc c'était vraiment, lorsqu'on remonte à cela, c'était vraiment ce qui était contre, ce qui gênait ces hommes. So it has always been the aim of this movement to one day do away with Roe versus Wade. Ça a toujours été donc le but de ce mouvement, un jour ou l'autre, de toute façon, d'annuler Roe. Remember, we had said because of patriarchy.
Souvenez-vous, nous avions dit qu'à cause du patriarcat, Because of men dominating women and children, parce que les hommes dominent les femmes et les enfants, it creates a gender inequality in society. cela a créé une inégalité des genres dans la société. But as the movement for radical feminism was picking up steps, Mais alors que le mouvement du féminisme radical est monté, it was trying to close that gap of gender inequality that's created by patriarchy. Il essayait de combler le gouffre donc de l'inégalité des genres créée par le patriarcat. But this movement resisted a lot this radical feminist movement. Mais ce mouvement donc a beaucoup résisté à ce mouvement féministe radical. And it managed to get victories we saw in 2022. Il a réussi donc à avoir des victoires, comme nous le voyons en 2022. Where the reproductive rights of women were basically overthrown. Roe v. Wade was overturned. Roe versus Wade a été renversé et les droits reproductifs des femmes l'ont été également. So in the Supreme Court, donc dans la Cour suprême, we once again see the principles of patriarchy. Nous voyons également les principes du patriarcat gaining a victory. Qui gagne une victoire ici. But not only is that case of reproductive rights that they managed to use originalism for. Donc ce n'est pas uniquement ce cas, cette affaire donc de droits reproductifs qu'ils ont réussi à vaincre. We know that they use it for cases like gun rights in America. Nous savons qu'ils utilisent également ce même principe pour les droits aux armes. And this movement strongly opposes gay rights in America. Et ce mouvement s'oppose très fortement aux droits homosexuels aux États-Unis. And so it broadens our understanding of what patriarchy really is. Et donc cela élargit un peu plus notre compréhension de ce qu'est le féminisme radical, de ce qu'est le patriarcat vraiment. Patriarchy is not only looking down upon women and children. Le patriarcat, ce n'est pas juste viser de haut les femmes et les enfants. It also involves strong men who look down upon people who they see as weaker men in society. Mais c'est également des hommes haut placés dans la société qui vont donc regarder de haut des personnes ou des hommes qu'ils considèrent plus faibles qu'eux dans la société. So it takes us to another definition that I want us to consider. Ça nous emmène à une autre définition que je voudrais qu'on puisse considérer, which is called heteropatriarchy, qui s'appelle donc le patriarcat hétéro. It's a combination of two words basically. C'est donc deux mots combinés. Heterosexual and patriarchy. Donc hétérosexuel et patriarcat. So a heteropatriarchy. Donc l'hétéro patriarcat. It's a social political system. C'est un système social et politique. Where primarily cisgender. Où principalement ce sont des personnes cisgenres. And heterosexual males have authority. Et où donc les hommes hétérosexuels ont l'autorité. So I'll just define cisgender. I'll just define cisgender. Donc là, le genre est présenté. So cisgender is where people have the same gender as identified at birth.
Donc, cisgenre, c'est le même genre que celui qu'on a identifié à la naissance. For example, if someone is born with female genitalia at birth. Donc, par exemple, si une personne naît avec des organes génitaux féminins à la naissance, And throughout their life, they identify as a woman. alors dans toute leur vie, ils vont s'identifier en tant que femme. That's cisgender. Ça, donc, c'est cisgenre. So the same applies for males. La même chose donc s'applique pour les hommes. However, in society, there are people who identify with different genders than the sex they were assigned at birth. Donc, dans la société, il y a bien sûr des personnes qui s'identifient avec un autre genre que celui qui a été identifié à la naissance. So, this heteropatriarchy. Sorry, can you repeat? So this heteropatriarchy Donc ici, cet hétéro-patriarcat, is where heterosexual males have authority over other males, females, and people with other sexual orientations. c'est un système où les hommes hétérosexuels ont une autorité soit sur d'autres hommes, sur d'autres femmes ou sur d'autres personnes avec d'autres orientations sexuelles. It's basically a hierarchical society where culture is dominated by heterosexual males. En fait, c'est un système de société où, en fait, système de société et de culture où les hommes hétérosexuels dirigent d'autres personnes. And these heterosexual males, they have a bias which is unfavorable to gay people. And females in general. Et ces hommes ont un préjugé, un biais cognitif par lequel ils sont donc contre les femmes et les personnes d'autres genres ou qui s'identifient d'une autre manière. I'll read the definition from the Collins Dictionary as well. Je vais lire une définition d'une autre source également. It says heteropatriarchy. Il est dit donc que l'hétéropatriarcat Is a combination of male patriarchal. c'est une combinaison donc d'hommes hétéros And of male patriarchal and heterosexual dominance. donc c'est un mélange d'une dominance hétéro-patriarcale et of hetero you said can you repeat sorry Also, it's a combination of the male patriarchy and heterosexual dominance. Donc, c'est une combinaison donc, de la dominance hétérosexuelle et du patriarcat masculin. And it describes severe sex and gender bias. Et donc, il a de grands biais contre d'autres personnes d'autres sexes. That is prevalent among the ruling elite classes of nations. Qui est donc qui prévaut vraiment parmi les classes moyennes et basses. So now that we now have a broader view of patriarchy, Donc maintenant que nous avons une vue plus large du patriarcat, the patriarchy that we see in society today, le patriarcat que nous voyons dans la société aujourd'hui, the one that emphasizes these heterosexual males. celle qui souligne et qui met en avant ces hommes hétérosexuels. It then explains why, when, for example, gay marriage is allowed in America. Nous explique ensuite comment, lorsque par exemple un mariage homosexuel est permis aux États-Unis, Originalists seek to find a loophole in the way they read the Constitution. les originalistes cherchent à trouver donc un trou ou un élément auquel ils peuvent s'accrocher pour rejeter
une faille sur laquelle ils peuvent s'accrocher pour rejeter cette compréhension d'après la... In order for them to prove that gay marriage was not considered in the original constitution. Afin qu'ils puissent prouver que ce mariage homosexuel n'était pas légal ou accepté dans la constitution à son origine. So we see that originalism, as it is used by judges today. Donc nous voyons que l'originalisme tel qu'il est utilisé par les juges aujourd'hui. It is being used as a tool to reweave and re-emphasize patriarchy in American society. Utilisé donc pour réintégrer et souligner vraiment le patriarcat dans la société américaine. So I wanted us to thread that story of originalism and see how it has roots in patriarchal understanding. Je voulais donc retracer cette idée d'originalisme et comment est-ce qu'elle a une place dans cette société ici patriarcale. It says in an article that I read. Dans un article que j'ai lu, il est dit. I'll just read a short sentence that's from that article. Je vais vous lire une courte phrase de cet article. It says that conservative justices. Donc, il est dit que les différents juges have developed originalism as a way. Ont développé l'originalisme. They have developed originalism as a way of masking a sectarian patriarchal. Ont développé l'originalisme afin de l'utiliser. A sectarian patriarchal misogyny inconsistent afin de développer une misogynie qui ne serait pas cohérente inconsistent with constitutional values avec les valeurs constitutionnelles. In effect, it's a political religion. En fait, c'est une religion politique. So this methodology of originalism. Donc cette méthodologie de l'originalisme. In this small portion from the article that I read. Dans cette petite partie de l'article que j'ai lu. It's being described as a way of masking patriarchy and misogyny. Elle décrit en fait que cet originalisme, c'est une manière de masquer le patriarcat et la misogynie. Inconsistent with constitutional values. Qui ne serait pas cohérente avec les valeurs de la Constitution. Excuse-moi, Justina, juste pour te dire qu'il te reste 30 minutes. So it's just to tell you that you have 30 minutes left. 30 minutes, okay, that's fine. Question included, hein? Question included. Q&A included in these 30 minutes. Okay. So I'll just finish off my point and then I'll allow for contributions, questions and answers. Donc, je vais finir mon point et ensuite je vous laisserai contribuer et poser vos questions. So I was just saying originalism has been described as a way of masking patriarchy and misogyny. Donc, comme je l'ai dit, l'originalisme a été utilisé comme moyen de masquer, pour masquer la misogynie. Inconsistent with constitutional values. Qui ne serait pas cohérent avec les valeurs de la Constitution. And they've termed it a political religion. Et c'en est devenu une religion politique. So when you look a bit into how originalism works. Donc, si on regarde un petit peu comment fonctionne l'originalisme, they go back to the original documents of the Constitution. Différentes personnes retournent aux documents originaux de la Constitution. And they read it as the writers framed it back in the 1800s.
Et ils le lisent tel que voulaient le dire les ceux qui ont écrit la Constitution. And they take those words and bring them into our time, just as they are written. Ils prennent donc ces différents mots et les appliquent dans notre histoire aujourd'hui, tels qu'ils avaient été écrits à l'époque. When you look at internally how we study the Bible, Lorsqu'on regarde de manière interne comment on étudie la Bible, it can be likened to a thus saith the Lord. ça pourrait être comparé à un ainsi dit l'Éternel. Where people go back into the Bible, Où les gens retournent dans la Bible. and they take a verse or a phrase just as it is written, Prennent une phrase ou un terme tel qu'il est dit, tel qu'il est écrit. for example, they can go to Paul's writings and say, Paul said, wives should submit. Et ils vont le prendre, prendre ce texte tel qu'il est écrit. Par exemple, ils vont aller dans les écrits de Paul pour dire que les femmes devraient se soumettre. And then they apply it just as it is, as it reads in our dispensation. Et ensuite, ils le prennent et l'appliquent tel que ça a été écrit dans notre dispensation. A literal to literal application. That's what originalism is. Une application littérale à littérale. C'est comme ça que c'est ce qu'est en fait l'originalité. So this is what the writers of this article are saying. It's a way of masking patriarchy. Donc c'est ce que disent les écrivains de cet article, c'est une manière de masquer l'originalisme. So at this point, I'm going to open the floor for comments or questions. Donc maintenant, je vous passe la main pour savoir si vous avez des questions, des commentaires. If there's anyone who wants to share a thought that they might have had whilst we were having our study. Si quelqu'un veut partager un point ou quelque chose dans leur étude qu'ils auraient Or vu, if someone has a question or any other comment. ou si quelqu'un a une question ou un commentaire. Bonjour Justina. Bonjour. Hello. So, hello Justina. J'ai une question concernant le patriarcat hétérosexuel. So I have a question concerning heteropatriarchy. Okay. Donc, si j'ai bien compris, c'est pour que tu puisses mieux reformuler pour moi. So just so you can better say it maybe differently for me to understand. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes hétérosexuels. That principle means that it's heterosexual men. Qui exercent en fait une autorité patriarcale. Who have a patriarchal authority. Sur les femmes, les enfants ou les personnes homosexuelles, c'est ça? And they exert that authority on women, children, and for example, gay people, right? Yes. D'accord. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Can you talk a little bit more on it? All right. Merci. Okay, so basically, when you look at patriarchy as a concept, Donc, lorsqu'on regarde le patriarcat en tant que concept, it involves strong men who are on top. ça implique des hommes forts qui sont They are on top of society and they are the ones who determine how society is going to be run. ils sont donc à la tête de la société, ils déterminent comment la société va avancer. Normally, what, at least for me personally, what I have seen being emphasized, at least in the movement, Alors pour moi, ce que j'ai vu qui a été souligné dans le mouvement particulièrement,
is patriarchy as it pertains to males ruling over women and children. Donc, c'est le patriarcat, c'est-à-dire des hommes qui dirigent, qui sont au-dessus de femmes ou d'enfants. At least that's what many people emphasize. Ou en tout cas, c'est ce que beaucoup de personnes soulignent quand ils parlent de ce principe. But when you look at society today, at least. Mais lorsqu'on regarde la société, en tout cas aujourd'hui, you see that the males that are elevated in society. On peut voir que les hommes qui sont vraiment élevés dans la société, usually they are heterosexual males. Sont pour la grande majorité des hommes hétérosexuels. Because these view males such as gay males or any other weaker people who they deem weaker males. Et toutes ces nouvelles personnes, donc les personnes hétérosexuelles ou les personnes qu'ils vont définir comme étant. They view them basically at the lower levels, just like the levels they view women at. Ils les placent donc à un niveau beaucoup plus bas, comme le niveau où ils pourraient voir les femmes et les enfants. So if we are to be more broad in our definitions of patriarchy. Donc, si, il faudrait qu'on soit plus large dans notre définition du patriarcat. It's not only males ruling over women. Pour donc pas dire uniquement que les hommes dirigent sont au-dessus des femmes. But is these people deem themselves as strong males, heterosexual males? Mais ce sont des personnes qui se définissent comme des hommes forts, des hommes hétérosexuels. Who are above every other weaker person in society. Ils sont au-dessus de toute autre personne faible de la société. And because the way they view a strong man. Et parce que la manière dont ils voient des hommes faibles. Other gay people do not qualify to be strong males to lead. Eh bien, ils considèrent que des hommes, par exemple, gays, ne sont pas des hommes forts qui peuvent diriger. So patriarchy does not only affect women and children, but it's a world view le patriarcat n'affecte pas juste les femmes. It's a world view that puts that hierarchy of a strong man leading weaker men, males, children in that rank. Mais en fait, c'est un homme fort hétérosexuel qui va diriger des hommes plus faibles, des femmes et des enfants. That's why you see, like the example that we gave, they attack gay marriage. Donc l'exemple qu'on a donné, par exemple, c'est qu'ils vont attaquer le mariage homosexuel. Gay marriage, sometimes it involves a man and a man coming together in union. Parfois, donc, dans ces mariages, ça va être deux hommes qui s'unissent. These heterosexual, powerful males see this as an abomination to masculinity, basically. Ces hommes forts hétérosexuels pensent que c'est bien une abomination à la masculinité. I don't know if it helps to clarify your question. Je ne sais pas si ça clarifie ta question. Oui, je te remercie. En fait, je me dis que c'est une autre définition. Enfin, ça touche à au masculinisme, en fait. So yes, thank you. It does. And actually, I'm telling myself that it's linked. It talks to masculinity also. Yes. All right. Merci. I don't know if there's someone else who wants to ask or contribute. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question ou contribuer?
Y a pas d'autres questions? Justina, I told you our group is quite shy. Donc, comme je te l'ai dit, Justina, notre groupe est plutôt timide. I'm really sorry about it. It is interesting topic. Donc, désolé, c'est vraiment un sujet intéressant. And maybe we have to think a bit about it. Donc, peut-être qu'il faut qu'on y réfléchisse un petit peu. That's the way you enlarge the topic of patriarchy. It's quite interesting. C'est vraiment intéressant parce que tu élargis vraiment le sujet du patriarcat. And I like the way you link it with originalism. Et j'aime bien la manière dont tu le lis à l'originalisme. So I think we have to study it a little bit more. Donc je pense qu'il faut qu'on l'étudie un petit peu plus. Thank you. Yeah. Merci. Merci. Merci, Justine. So, you, someone has to say something. Non, Quelqu'un quelque chose, non? All right, feel free to stop me and ask me anytime. Donc sentez-vous libre de me couper, de me demander à n'importe quel moment. So I think for the rest of the time, we're just going to summarize what we have done. Avec le temps qui nous reste, on va résumer un peu ce qu'on a vu. But don't hesitate to stop me to share your thoughts and to ask questions whenever you feel like. Mais donc pendant ce temps-là, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions si vous le sentez nécessaire. So we started off by mentioning how we've been studying three movements in our time. Donc nous avons commencé en disant que nous étudions trois mouvements qui sont arrivés donc dans notre temps. The civil rights movement, the women's rights movement and the Stonewall movement. Le mouvement des droits civiques, le mouvement des droits des femmes et le mouvement Stonewall. These taught us in the movement radical feminism. Donc ils nous ont amenés dans le mouvement donc du féminisme radical. And we understood more about how at least we are to reorder our lives in a radical feminist way. Et nous comprenons mieux comment nous devons reformuler nos vies d'après cette compréhension donc féministe radicale. But in America, mais aux États-Unis, not everyone was pleased with these movements that were expanding on human rights. Tout le monde n'était pas content avec cette idée donc du féminisme radical. So you see different movements that begin to resist that work of radical feminism. Donc, nous voyons différents mouvements qui commencent à s'opposer à ce féminisme radical, à au travail qu'il fait. So today, we focused on the Supreme Court in America. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur la Cour suprême, donc aux États-Unis. We saw the methodology that they picked up in the 1970s. Nous avons vu la méthodologie qu'ils ont suivie dans les années 70. That it came as a direct reaction to the reproductive rights that were gaining traction in America. Et que c'était en réponse directe aux droits reproducteurs qui gagnaient de la force aux États-Unis. It developed as a fringe developed. It was small when it started, but we now see its effects in our time. C'était très petit, c'était en marge quand ça a commencé, mais nous voyons maintenant son importance dans nos temps. With Brock not being able to join the Supreme Court,
Donc, Bork n'a pas pu rejoindre donc la Cour suprême. It made this movement of originalists even stronger. Cela a rendu ce mouvement originaliste encore plus fort. By the time we get to 1991, Et lorsqu'on arrive en 91, you have Antonin Scalia and Clarence Thomas as the two originalists. Antonin Scalia et Clarence Thomas sont les deux originalistes. Fast forward to 2016, On arrive cette fois-ci en 2016 with the election of Donald Trump. avec Donald Trump. We see six conservative judges who are also using this originalist methodology. Nous voyons six juges originalistes qui utilisent également cette méthodologie. And in the end, we saw that this is a methodology that's being used to mask patriarchy. Et à la fin, nous avons vu donc c'est une méthodologie qui est utilisée pour masquer le patriarcat. In that it goes back to the constitution. Puisqu'il retourne dans la constitution. Takes the text that was written as it is by the framers. Sorry, can you repeat? Or it takes the words that were written as they were by the framers of the constitution. Il reprend les mots de la Constitution tels qu'ils ont été écrits par les concepteurs de la Constitution. And seeks to apply them as they are in our time. Et cherche à les appliquer tels quels à notre époque. But as we know that the time that Constitution was written, mais nous savons qu'à l'époque où donc cette Constitution a été écrite, society was highly patriarchal. La société était très patriarcale. And we cannot take the words as they were written in the 1700s, 1800s. Et on ne peut pas prendre les mots, ces mots tels qu'ils étaient écrits dans les années 1700, 1800. And apply them directly in our history. Things have changed. Et les appliquer directement dans notre histoire parce qu'il y a des choses qui ont changé. Justina, yes. Do you have any example of some words that are taken from the Constitution to apply them today as an originalist methodology? All right. At the beginning, when the writer write the Constitution, no mention of women was implied. So I'm wondering which word they take to apply today to you know to sustain their belief. Est-ce right. que toi, Elisa? Tu m'aimes, je te laisse traduire du ouais, coup. Donc du coup, je lui ai demandé, est-ce qu'elle peut me donner un exemple de mots qu'ils prennent dans la Constitution pour expliquer leur position originaliste, parce que à la rédaction de la Constitution, il n'y avait pas déjà la mention de femmes. Donc, comment ils, qu'est-ce qu'ils, sur quoi ils s'appuient aujourd'hui pour expliquer leur vue originaliste au sein de la Constitution? Est-ce qu'elle a un exemple? Do you have any example? I don't know if you have. I don't have like exact words right here in my mind. Notes. You can translate. Alors, j'ai pas forcément quelque chose correctement dans mon esprit. But when you look, for example, with the Roe versus Wade case. Mais par exemple, avec l'affaire donc Roe versus Wade. When they went back into the Constitution. Lorsqu'ils sont retournés dans la Constitution. They saw that nothing about abortion was written in the original Constitution. Ils ont vu qu'il n'y avait rien d'écrit dans la Constitution originale à propos de l'avortement. And therefore, putting things about abortion in our time. Et donc, l'avortement à notre époque would mean people are just forming, coming up with things that were not in the original Constitution. Amener des éléments
Donc, de l'avortement à notre époque, ça voudrait dire en fait qu'on invente des trucs et qu'on rajoute des choses qui ne sont pas présentes dans la Constitution. Another one that I thought of is about the gun rights issue that has long been a war in America. Donc, un autre point, c'est également le port des armes qui a été un gros problème, qui est un gros problème pendant les États-Unis. Where you see back in the 1800s, men were allowed to bear arms. Donc, dans les années 1800, les hommes avaient le droit de porter des armes. And they used that in a twisted fashion to still allow people to have guns in America today. Et ils utilisent donc ce principe pour dire eh bien, que les hommes ou les personnes ont toujours le droit de porter des armes aujourd'hui. Even though it's detrimental to their society. Même si c'est en détriment de leur société. Those are the two that came to my mind. Ce sont les deux exemples qui me viennent tout de suite à l'esprit. So when you are talking, I was thinking about Clarence Thomas. Because donc pendant que tu parlais, je pensais à Thomas Clarence. And I was thinking about the mixed mariage. It was et not, je pensais donc au mariage mixte. Was not applying or written into the constitution. It was forbidden. C'était pas donc écrit dans la constitution. At this time period, it was forbidden. C'était même interdit. So that's why I'm wondering how we can take position, originalistic position, because he's married also with a white woman. So that's why I don't, for me, it's like a discrepancy. I don't really understand fully the concept. Donc par rapport à ça, comment est-ce que, parce que Clarence Thomas est marié avec une femme blanche, donc comment est-ce qu'il peut, pour moi, ça a l'air d'être comme un problème, en fait, ils sont pas en accord avec eux-mêmes là-dessus. Donc comment est-ce que ça se passe? I don't think it's your fault, Shemina, because I don't think it's your fault that you don't quite understand it. Non, je pense pas que c'est de ta faute si tu comprends pas pleinement ça. Because that's how they do it. They pick and choose situations in which they want to use originalism. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. Ils choisissent les points ou les endroits où ils veulent appliquer l'originalisme. So they are not consistent in where they apply originalism. Ils sont pas cohérents pour appliquer, par exemple, partout l'originalisme. So in other cases, they use other tools, but when it's convenient for them, they use originalism. Donc, par exemple, dans d'autres situations, ils vont, dans certaines situations, ils vont utiliser d'autres, non, dans d'autres situations, ils vont utiliser d'autres méthodologies ou d'autres sujets. Mais quand ça les arrange, c'est là qu'ils vont utiliser donc l'originalisme. It's an interesting topic. I wish someone can also look more into how it works because there is different types of originalism as well. Donc c'est un sujet intéressant. J'aimerais bien que quelqu'un puisse le voir parce que il y a différents types d'originalisme. Today I was just looking at the broader view of originalism. Je regardais donc aujourd'hui ce point de vue donc de l'originalisme. In order for us to see how patriarchy is woven into that methodology. Pour voir comment le patriarcat est tissé dans cette méthodologie. But if you look more into originalism itself, there's different types of originalism. Et quand on regarde l'originalisme en soi, il y a différents types d'originalisme. So I think my time is up, and unless there's someone Alors, je crois else, que j'ai plus de temps, à moins que quelqu'un d'autre veut poser une question. Unless there's someone else who has something burning to say. À moins que quelqu'un d'autre donc ne veuille rajouter autre chose. If we don't have, then we will close with a word of prayer. Si c'est pas le cas, donc on va terminer par la prière. Let us pray. Prions.
Dear God, Cher Seigneur, we thank you so much for this time that we have had to study together. nous te remercions pour ce temps que nous avons eu d'étudier ensemble. Lord, as we see the success in the movement of radical feminism, Seigneur, alors que nous voyons le succès du mouvement féministe radical, we also see patriarchs who are trying to weave in patriarchy back into society. Nous voyons également des personnes qui sont animées par le patriarcat, qui veulent ramener ce patriarcat dans la société. And strengthen the hand of patriarchy in our societies. Et fortifier donc ce mouvement dans notre société. Lord, as we seek to continue to understand radical feminism and how it impacts even our personal lives. Seigneur, alors que nous voulons comprendre comment fonctionne le patriarcat et comment il impacte nos vies. Help us also, Lord, to be mindful of these movements that are seeking to block this work. Seigneur, aide-nous à être conscients et comprendre ces mouvements qui essaient de bloquer notre œuvre. I pray for the ministry. Je prie pour le ministère. For the people who have joined. Les personnes qui nous ont rejoints. That they may be able to find more power to go and research more on these topics. Qu'ils puissent donc chercher et regarder plus ce sujet. Above all, help each and every individual. Pour chacune personne et chaque personne et chaque famille. In their different spheres in life. Dans leurs différentes sphères. We pray all this in Jesus' name. Nous prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen.